Depuis le 31 août 2022, TF1 diffuse chaque mercredi en prime deux épisodes de la saison 5 de Good Doctor. Ainsi, ce mercredi 19 octobre, la chaîne proposera deux nouvelles péripéties du docteur Phone Murphy, incarné par Freddie Highmore. Par ailleurs, la semaine suivante, le mercredi 26 octobre, TF1 proposera les deux derniers épisodes de la saison 5 de la série. La première aventure sera marquée par le retour du personnage de Claire. De son côté, Léa se prépare pour son mariage avec Sean. Puis, le final de la saison 5 sera marqué par la décision de Morgan. Elle est prête à quitter Park après avoir décroché une offre d'emploi à New York. Par ailleurs, contre toute attente, Sean et Léa décident de se marier au tribunal pour éviter tous les préparatifs contraignants de la cérémonie. Cependant, un événement horrible va bouleverser le mariage de Sean et Léa comme elle, annonce elle, acteur Freddie Highmore dans les colonnes de Elle, hebdomadaire Tel Loisir. De quoi offrir un rebondissement inattendu en cette fin de saison 5. Les fidèles de Good Doctor pourront retrouver les aventures de Sean Murphy dès 2023 sur TF1 puisque une saison 6 est en cours de diffusion aux États-Unis. Par ailleurs, dès le mercredi 2 novembre, la Une misera sur une nouvelle série américaine en prime intitulée Labra. Cette première saison compte 10 épisodes. Labra a pour genre la science-fiction, ce qui est assez rare pour TF1 qui mise sur des séries médicales le mercredi. Changement inattendu donc sur la chaîne. Cette production, un énorme goût frais, ouvre à Los Angeles, la famille Harry est divisée en deux. Eve et son fils, Josh, sont en vol dans un mystérieux monde primitif tandis que Gavin et Izzy restent à Los Angeles. Finn découvre que les visions qui le tourmentent depuis des années pourraient être la clé pour les ramener chez eux. Il reconnaît des oiseaux préhistoriques. Il voyait dans ses visions lorsque ceux-ci surgissent du gouffre. Attendant, Good Doctor, qui a connu une audience en hausse la semaine dernière, et a retrouvé ce mercredi 19 octobre dès 21h10 sur TF1.